Bonjour, notre journée de rencontre en ligne continue du goût des livres, cette fois sur le thème « Quand le jeu rencontre le livre » ou « Quand le livre rencontre le jeu ». Vous avez sûrement entendu parler de YouTube et de quelques créateurs de contenu, ou alors du jeu Minecraft, ou encore de l'essor de l'escape game, et vous les connaissez sûrement à travers les livres d'Alain Puisélur. Bonjour Alain. Bonjour, enchanté, ça s'active, voilà, c'est bon. Bonjour, enchanté. C'est un plaisir de vous recevoir. Très content d'être là. Alors, Alain, vous avez grandi au cœur d'une univers incontournable, comme ceux développés par Tolkien ou J.K. Rowling, en souhaitant devenir vous-même écrivain un jour. Donc, c'est un rêve accompli aujourd'hui, en écrivant noir sur blanc vos propres fictions. Qui s'inspire notamment de jeux ou de légendes, comme le montre par exemple votre dernier roman Cthulhu, survie en terre lovecraftienne. On peut citer également dans un autre registre l'héritage de Herobrine, mais aussi la légende d'Hivernia, ou encore la collection Vivez l'aventure. Et on peut dire à travers ces dernières réalisations que vous réinventez, ou du moins vous proposez des idées innovantes de livres pour enfants. Il est vrai que nous commençons à avoir de plus en plus d'escape livres, un livre où le lecteur est maître de son histoire en sélectionnant les réponses de son choix, tout en devant réussir le défi que l'auteur lui soumet. Donc dans ce cas, permettez-moi de poser un défi à mon tour, c'est de nous expliquer plus en détail vos inspirations et votre style d'écriture, aux côtés de notre journaliste partenaire, Maryse Dunel. Bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Bien, déjà, je voulais commencer avec vous, parler de jeux. Vous avez toujours été un grand fan de jeux vidéo. Oui. Oui, effectivement. Pardon, excusez-moi. Non, continuez. Et à quel jeu vous aimiez jouer? Alors, j'ai joué depuis tout petit. Effectivement, je joue aux jeux vidéo depuis tout petit parce que mes parents avaient la très vieille console, la Nintendo, puis la Super Nintendo. Donc, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance vraiment pendant très longtemps. Donc, on va dire que le premier jeu mythique, ça a été Super Mario. Voilà, ça ne s'invente pas. Mais ça a bercé effectivement l'enfance. Et bon, progressivement, il y a eu des nouvelles consoles, la PlayStation 1, avec d'autres jeux qui m'ont beaucoup plu, comme les Final Fantasy. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été très présent effectivement depuis tout petit. Et quel joueur étiez-vous? Alors ça, c'est une bonne question. Quel joueur? J'ai envie de dire forcément, dans ces années-là, il n'y avait pas Internet et ce n'était pas forcément évident de jouer avec d'autres. Donc un joueur assez solitaire. Pour le coup, et je sais pas, pas forcément un joueur acharné, on va dire, mais un joueur rêveur. J'aimais beaucoup les univers dans lesquels j'évoluais à travers les jeux. Et pourquoi Mario, justement? Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Alors, pour le coup, Mario, c'est pas forcément pour le côté rêveur, mais c'est parce que c'est l'un des premiers sur lesquels j'ai mis la main, parce que bon, voilà, c'était la console familiale, on va dire, qui était là depuis quelques années, je pense même avant ma naissance. Mais, ou alors j'étais très petit quand elle est arrivée et j'y ai pas touché tout de suite. Mais Mario, c'est le premier, en fait, c'est juste le premier. Après, rêveur, parce qu'il y a d'autres univers, comme les univers des Final Fantasy, donc qui sont des jeux japonais qui sont très riches, avec beaucoup de références mythologiques et de retravail historique, même parfois, qui, pour le coup, eux, m'ont plus emporté dans le rêve, on va dire, parce que c'était très, très foisonnant. Et donc, à ce moment-là, quelle part tenait la littérature ? Alors, c'est une part importante aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai toujours été partagé entre les jeux vidéo et la lecture. Je ne saurais pas dire si c'est à peu près au même moment, mais bon, forcément, j'ai commencé à lire avant de jouer, parce que bon, les parents ne sont pas non plus à mettre des manettes dès qu'on a 4 ans entre les mains. Mais c'était un peu à part égale, même si au final, les univers, je pense, que je côtoyais dans les jeux et que je côtoyais dans les livres étaient assez similaires. Voilà. C'était vraiment de ce qu'on appelle de la littérature de genre, mais bon, littérature pour enfants, donc de genre, avec beaucoup de fantastique et de fantasy. Et c'était aussi ce genre d'univers que je retrouvais dans les jeux vidéo. Et il y a des héros
que vous aimez particulièrement ? Alors, des héros, je ne sais pas, parce qu'on va parler d'héros, mais je vais vous parler d'un héros qui s'appelle Spyro, qui est un petit dragon, en fait. Donc, c'est un héros, mais c'est un petit animal. Et voilà, lui, c'est l'un des emblèmes, on va dire, de mon enfance. J'ai d'ailleurs fait un clin d'œil dans l'une de mes œuvres à ce petit dragon. Mais je pense que c'est des héros ponctuels, en fait, qui marquent une certaine période. Voilà, je me souviens de Spyro, je me souviens d'un personnage de Final Fantasy qui s'appelle Squall. Enfin, c'est des personnages qui ponctuent un peu comme ça, je pense, d'une année à l'autre, en tout cas dans les jeux vidéo et après pour les romans aussi. Alors, à quel moment les jeux vidéo et la littérature se sont retrouvés pour vous ? C'est au moment où j'ai, pour la première fois, je pense, j'ai mis la main sur ce dont Louise vient de parler, c'est-à-dire un Vivez l'aventure. Parce que c'est quelque chose qui embarquait un côté narratif, c'est-à-dire vraiment il y avait une histoire qui était racontée. C'était le même format à l'époque que celui sur lequel je travaille aujourd'hui, donc un format BD qui laisse une place importante à l'illustration et aussi au jeu pour le coup, parce qu'il y avait une narration, mais ça embarquait également une part de ludique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un côté ludique, on voyageait de page en page, et c'est là où vraiment où le fait d'aimer lire et le fait d'aimer jouer se retrouvait un peu connecté dans un format hybride que j'avais jamais vu et qui m'a beaucoup plu. Et après ça, je me suis penché, quand j'ai été un peu plus vieux, on va dire 1 ou 2 ans plus tard, hein, c'est pas non plus 5 ans plus tard, mais sur les célèbres livres dont vous êtes le héros, qui là, pour le coup, était, on va dire, l'aboutissement à cette époque, sans parler de jeux de rôle, du mélange du jeu, je pense, et d'un aspect ludique, c'est-à-dire d'une implication telle qu'on peut la retrouver dans les jeux vidéo, où, sans être forcément uniquement lecteur, on devient aussi acteur de ce dont on est en train de lire. Et ça, pour le coup, ça parlait énormément, on va dire, à l'âme de joueur de jeux vidéo que j'étais. Et justement, quand vous étiez le héros, vous aviez envie de conquérir le monde ? Alors non, pas forcément de conquérir le monde, mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est le côté rêveur, c'est-à-dire que moi j'adorais ce genre de... Même j'adorais lire parce que j'arrivais très facilement à m'imaginer physiquement, matériellement les univers, et c'est vrai qu'associé à ça, le fait de pouvoir décider, le fait de pouvoir bon, forcément combattre dans ce genre de livre à l'époque, c'était surtout des affrontements, c'était un peu plus simple que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les livres avec des énigmes ou autres, mais c'était plus... ouais, ça nourrissait un imaginaire en fait, c'était... Et ce côté un peu rêveur. Alors, l'image est figée de mon côté. Je pense que soit on a un petit problème technique. J'en profite en attendant pour regarder le chat, parce que c'est ça le bruit que j'entends depuis tout à l'heure. Et j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Voilà, je vois tous les bonjours. Ah, je suis également présente. Je vois que Marie aussi de mon côté est figée. Oui, il y a un petit souci technique, je pense. Elle a été déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet, me dit le... C'est pas... Oui, elle va sûrement revenir. Elle est toujours... Du coup, je lis que Brahim Nour a adoré le livre Fort Boyard que j'ai fait. Et ben, j'en suis très content. Oui, elle a dû être. Elle vient de se reconnecter. Je pense qu'elle va. Elle va revenir. En attendant, peut-être qu'on va proposer justement au public s'ils ont des questions à poser maintenant. C'est peut-être l'occasion. Oui, c'est pour ça, parce que je voyais effectivement que dans le chat, il y avait des bonjours et des Super NES en force. Oui, effectivement, la Super NES console de légende. J'y ai passé beaucoup de temps et beaucoup de plaisir aussi. Donc effectivement, il y a des personnes qui sont en train d'écrire des questions. Ah, ça y est, je crois que Maryse se reconnaît. Ouais, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les aléas du direct. Voilà, c'est ça. Je vous relaisse à l'interview. Bien. Je reviens après. D'accord. À tout à l'heure, alors. Bien. Ben, en fait, je voulais revenir sur ce lien entre le jeu
et l'écriture. Que pourriez-vous dire à vos détracteurs qui avancent en fait que le fait que les escape books ne sont pas de la littérature? Bah, alors c'est compliqué parce que moi déjà de base, je trouve que dans le fait d'essayer de définir ce qu'est de la littérature, forcément on va, quel que soit l'endroit où on se place, le milieu dans lequel on se place, on va forcément, j'ai envie de dire, exclure certaines personnes. C'est automatique. J'ai jamais vu quelqu'un qui a essayé de définir la littérature et qui n'a pas exclu une partie de production littéraire. Parce que, à mon sens, à partir du moment où vous écrivez, que ce soit voilà, de la fantasy, des escape books, peut-être même des jeux qui embarquent une part narrative, parce que ça se fait aujourd'hui aussi, des jeux qui racontent une histoire vraiment ou autre, ou même que ce soit ce qu'on appelle la littérature blanche, la littérature classique ou autre. Tout ça, c'est de la littérature. Donc, pour moi, les détracteurs, justement, qui considèrent que, alors on peut faire une échelle, hein, mais qu'un escape book, un jeu qui embarque de la narration, après ça va être de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction, que tout ça n'est pas de la littérature, moi je ne suis pas vraiment d'accord, c'est une sorte de défiance un peu élitiste, et je trouve ça assez dommage. Je trouve ça assez dommage parce que moi, par exemple, je ne sais pas si, étant tout petit, si on ne m'avait pas mis justement un Vivez l'aventure entre les mains, où il y avait ce mélange de jeux qui m'attirait, et ce mélange d'histoires qu'on me racontait qui me nourrissait l'imaginaire, en fait, bah, est-ce que j'aurais eu de l'appétence, Louise le disait au début, il me semble, pour Tolkien, assez jeune en plus, parce que j'ai commencé à lire, j'étais en CM2, et du Tolkien en CM2, c'est un gros morceau. Mais est-ce que si je n'avais pas eu ce genre d'ouvrage entre les mains, j'aurais pu développer cet appétit pour la lecture? Je ne sais pas, je ne vais pas réinventer le passé, mais en tout cas, c'est sûr que ça a joué un rôle, et c'est dommage d'avoir cette défiance, ça m'est déjà arrivé de la rencontrer effectivement, mais c'est dommage. Si vous avez un enfant de 7 ans qui a envie de, qui peut-être a des difficultés à lire, ou qui a envie de lire mais qui ne va pas justement se plonger dans un énorme roman avec des millions de signes, des milliers de signes plutôt, parce que des millions ça fait beaucoup, des milliers de signes, bah voilà, c'est une porte d'entrée comme une autre en fait. Donc à ces détracteurs-là, je dirais que pour apprécier de la littérature classique, des très gros livres, il faut commencer quelque part. Et quand on est petit, passer par quelque chose qui nous intéresse, qui nous attire l'œil et qui suscite notre intérêt, c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Et ça permet de mieux apprécier le médium qu'est le livre. Vos ouvrages sont complètement différents. Est-ce que, pour les écrire, vous avez cependant adopté une méthode, un processus d'écriture? Alors, c'est différent à chaque fois? Alors, c'est très différent, effectivement, à chaque fois, parce que les livres sont différents eux-mêmes. C'est vrai que moi, du coup, je fais des formats qui sont les Vivez l'aventure, qui sont des formats grands, des formats BD, comme on dit. Alors, ce n'est pas de la BD à proprement dit, parce qu'il ne va pas y avoir plusieurs cases sur une page. C'est plus une page correspond à une scène. Mais ça demande, malgré tout, de fonctionner comme on fonctionne dans la BD, c'est-à-dire en écrivant, ne pas oublier qu'il va y avoir une part très importante donnée à l'illustration. Et je ne travaille pas du tout de la même manière sur ce type d'ouvrage que sur justement les escape books, comme on les appelle, où pour le coup, il y a plus de place à la narration, à la parole. Il y a une part d'illustration, mais elle n'est pas aussi importante. Mais je ne travaille pas du tout de la même façon sur ces ouvrages qui pourtant sont proches, parce que l'idée est toujours d'avoir un livre et du jeu, d'avoir une histoire avec un début et une fin, et la progression se fait à travers la résolution d'énigmes, la combinaison d'objets aussi parfois. Et bien évidemment, tous ces livres-là n'ont rien à voir avec d'autres productions que je fais, comme, bon, pour le coup, c'est pas de la jeunesse, mais l'ouvrage sur l'univers de Lovecraft, avec Cthulhu, ou sur du jeu de société, effectivement. Alors, justement, les escape books n'ont pas un scénario linéaire, on se promène dans l'histoire, on y va, on y revient. Comment vous envisagez les scénarios? Est-ce que c'est une contrainte ou un casse-tête? Alors, c'est plus un casse-tête. Les contraintes, elles viennent si je travaille sur quelque chose d'existant.
Je voyais tout à l'heure dans le chat que quelqu'un parlait de Fort Boyard. Donc, effectivement, là, je me retrouve avec les contraintes liées à cette émission parce qu'il y a des codes, et il faut suivre certaines choses, il ne faut pas faire n'importe quoi. Déjà parce que l'émission ne veut pas, et puis parce que je pense que les personnes qui vont s'intéresser à cet ouvrage, c'est parce qu'elles veulent retrouver ce qu'elles ont trouvé dans l'émission, dans l'ouvrage ou autre. Donc, effectivement, là-dessus, il y a des contraintes. Je ne les vois pas comme un problème, c'est parce que c'est aussi intéressant de travailler sous contrainte et de faire... Ça génère un autre casse-tête, c'est-à-dire que ça génère le casse-tête où il faut réussir à tout faire rentrer dans le format pour que ce soit intéressant, compréhensible et amusant. Et après, plus globalement, effectivement, ce genre de livre est un peu un casse-tête, étant donné que ce qu'on appelle la fiction, donc quelque chose d'imaginaire non linéaire, à l'inverse d'un roman qui est complètement linéaire, on va d'un chapitre à l'autre, ça se suit, là, tout est non linéaire et tout dépend du choix. Donc c'est vrai que là où c'est compliqué, c'est que, pour exemple, je pense parce que les escape books le font, mais aussi j'ai fait vraiment un livre dont vous êtes le héros à l'ancienne, donc qu'a montré, il me semble, Louise aussi au début, donc La Légende d'Hivernia qui se passe dans le monde de Minecraft, où là, il y a une part un peu moindre aux énigmes et du coup, l'enjeu sur le choix est important. C'est vrai que ça peut être un casse-tête parce qu'il faut s'imaginer une histoire donnée. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein, mais ça, c'en est une. Mais imaginez une histoire avec un début et une fin. Donc, ça, on peut appeler ça l'histoire rêvée, entre guillemets. Mais après, essayez de construire justement des alternatives. Ça crée presque des mondes parallèles, en fait, où si à ce moment-là, le héros n'avait pas décidé de, je ne sais pas, pénétrer dans la montagne, qu'est-ce qui se serait passé ? Et en fait, du coup, ça crée... Alors, normalement, je vais pouvoir partager. J'ai fait exprès, justement, de prendre un morceau... Je vais essayer de trouver ça. Voilà, je l'ai mis en ligne tout à l'heure. Est-ce que je vais réussir à le charger? Non, ça ne l'a pas chargé, c'est dommage. Bon, ce n'est pas très grave. J'avais justement tout à l'heure enregistré une image pour montrer les plans avec lesquels je travaille parce que, en fait, c'est des plans en ramification. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier paragraphe qui va donner deux choix, qui eux-mêmes vont donner deux choix, qui peut-être se retrouveront à un autre moment. Mais ça crée quelque chose de très tentaculaire où, justement, les paragraphes sont connectés entre eux. Et c'est assez amusant à concevoir pour moi, mais c'est vrai que des fois, quand je le montre à des personnes extérieures, ils me disent « c'est pas possible, c'est un énorme casse-tête, comment tu fais pour t'y retrouver ?» Et justement, comment vous arrivez à vous plonger dans ces différents univers? Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher tous les détails ou alors vous cherchez vraiment l'univers dans sa globalité? Encore une fois, ça dépend de si c'est un travail sur un univers qui est existant. Là, je peux prendre l'exemple de l'escape book que j'ai fait sur le petit Nicolas, parce que là, au-delà de l'émission, c'est vrai qu'il y avait une fidélité par rapport à une histoire qui a été racontée. C'est vrai que quand on vous dit Fort Boyard ou Koh-Lanta, ce sont des émissions, mais ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qui a pu être raconté dans les émissions, vous n'allez pas forcément le reprendre. Vous cherchez juste à être fidèle à l'émission, à son esprit, à comment elle se déroule. Alors que quand vous travaillez sur le petit Nicolas, bien sûr en collaboration avec la Fondation Goscinny pour que tout passe bien, vous devez être fidèle en fait à ce qui a été fait avant, peut-être même faire des clins d'œil aux histoires qui ont été racontées par le passé, et c'est vrai que là il faut être très cohérent par rapport à ça. Pour un ouvrage qui est créé de zéro, vraiment où c'est moi qui imagine tout et l'univers, personnellement je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi de travailler avec des lieux en tête. Souvent, je fais ce constat-là, je travaille en ayant des lieux en tête. Je commence par avoir des lieux et après, ça se construit. Se construisent des histoires, ce qui s'est passé à tel endroit. Mais le lieu est vraiment la base de beaucoup de mon travail. Ça me permet de me projeter et je me le représente en 3D. Et à partir de là, je construis effectivement soit l'histoire globale de l'univers, ou soit les histoires particulières, et notamment celle du héros qui se déroule à l'intérieur. Et justement, la construction des histoires, est-ce que c'est proche d'un scénario de cinéma? Alors, n'ayant pas travaillé sur le cinéma, je vois quand même, parce que c'est la construction d'un scénario peut se ressembler, je dirais pas forcément, parce qu'il n'y a pas cette notion d'embranchement dans un cinéma. Il peut y avoir une notion, de spectaculaire et d'enjeu dramatique qu'on peut retrouver dans la construction d'un scénario, soit de cinéma, de série TV. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux comme ça qu'on peut retrouver quand on décortique les scénarios d'un film d'1h30 ou autre, on voit justement ces moments.
C'est vrai que ça m'arrive de vouloir travailler comme ça, justement sur la légende d'Hivernia. J'ai essayé de faire en sorte de travailler le rythme, comme on peut travailler le rythme au cinéma, avec des moments où ça se passe très bien, puis ça retombe, puis on relance l'intérêt. Donc c'est vrai que j'ai essayé de travailler comme ça, mais je le travaille plus comme un roman, j'ai envie de dire, que comme un scénario, pour le coup. C'est un roman que je décortiquerai, où je mettrai plus de choix. Je me dirais, bon, bah, dans un roman, je l'écrirai de telle façon. Je sais que j'ai envie que le héros, à ce moment, il fasse ceci, ou alors sa personnalité fait que, c'est pas forcément moi qui décide, mais sa logique fait qu'il va, il va faire comme ça. Mais si moi, je lui donne des choix, bah, dans ce genre de livre, du coup, je vois qu'est-ce qu'il pourrait faire en fonction de ses choix, au lieu que ça lui soit imposé par le format du roman. Et alors, quand vous concevez ces livres-là, la narration graphique, comme le texte, s'écrivent en même temps ? Alors, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais travailler le graphisme. Je ne suis pas graphiste, je ne suis pas illustrateur. Ça m'arrive de faire des œuvres artistiques comme j'ai pu en faire pour Cthulhu, justement, sur Vie en terre lovecraftienne. Mais c'est complètement autre chose. C'est vrai que pour ces formats-là, c'est des personnes qui sont spécialisées dans les illustrations pour la jeunesse. Moi, j'essaye d'avoir quelque chose en tête. J'essaye quand je suis obligé, de toute façon, parce que pour faire des énigmes, il faut que j'ai la capacité de les transmettre à la personne qui va s'occuper de les illustrer, de les mettre en page, donc il faut que ce soit très clair dans ma tête et que je puisse faire ce travail de transmission. Alors le travail de transmission, il peut passer par un croquis extrêmement laid mais efficace, avec justement ce qu'on appelle un brief, c'est-à-dire un paragraphe qui va expliquer quels sont les enjeux de l'illustration, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, quels sont les points d'attention ou autre. Donc ça, c'est le premier temps. J'écris, moi je crée. Et ensuite, je transmets ceci donc à l'éditrice, qui elle va vraiment, ou l'éditeur, mais qui vont vérifier ces éléments, qui ensuite, eux, vont les transmettre à l'illustrateur et au graphiste. En fait, il y a vraiment une chaîne comme ça. Moi, je ne suis pas forcément en direct avec l'illustrateur, mais mon but est qu'il comprenne ce que j'ai dans la tête, ce qui n'est pas toujours évident, de pouvoir retranscrire ce qu'on imagine visuellement dans la tête, parce que si c'était que de l'écrit, bon, bah, je l'écris et je le transmets, et ça, je sais faire. Mais c'est vrai que pour ces livres-là, retransmettre ce qu'on a dans la tête visuellement n'est pas évident. Ce ne sera jamais exactement à 100% ce que j'ai dans la tête, mais c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce que chaque illustrateur, en fait, s'empare de l'univers que moi j'ai créé et ça provoque un mélange qui est très intéressant. C'est-à-dire que quand moi je transmets quelque chose, des fois l'illustrateur va comprendre la référence que j'ai en tête. Tout à l'heure, j'ai fait un escape game pour les tout-petits, à partir de 5 ans, où le héros est un dragon qui rappelle très facilement le Spiro dont je parlais. Il s'avère que la référence, pour les personnes qui connaissent, elle est visuellement tout de suite comprise, mais il s'avère que l'illustrateur, lui, n'avait pas cette référence. Il l'a créée sans référence, donc c'est assez marrant. Des fois, les illustrateurs ont les références dont je leur parle et ça... On a les mêmes références ou ne les ont pas. Mais en tout cas, ça permet un mélange, on va dire, créatif qui est très intéressant. Alors, vous avez publié un livre qui s'appelle « Il faut sauver Noël ». Comment vous l'avez imaginé, celui-là ? Alors là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle un travail de commande. C'est-à-dire que l'éditeur est venu me voir et m'a dit « On aimerait beaucoup faire inviver l'aventure dans l'esprit de Noël ». Bon, j'en avais déjà fait un, donc c'est pour ça qu'ils sont venus me proposer ce projet. Et moi, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, très bien. Donc, la première étape, quand on vient vous proposer un livre comme ça, c'est de faire un synopsis. C'est-à-dire, c'est de proposer une idée, de dire, bah, qu'est-ce qui peut se passer ? Moi, j'avais envie de faire ça dans la fabrique du Père Noël. Il y avait l'esprit, voilà, à Noël. Le but était de vraiment transmettre cette idée de Noël, ses codes et ce qui était connu. Et vu qu'on est sur un format un peu d'escape game, c'est-à-dire il y a un enjeu entre guillemets dramatique très fort dès le début qu'il faut résoudre assez rapidement, ben, je me suis dit voilà, la fabrique du Père Noël, elle a été envahie par un méchant qui s'appelle Krampus, voilà, qui est une figure du folklore un peu méchante mais qui a été adaptée pour les petits ici. Et j'ai proposé du coup ce pitch aux éditrices qui il y a une confiance du coup vu qu'on travaille déjà ensemble, donc elles ont dit ok, vas-y, développe. Donc à partir du moment où ce petit synopsis il est validé par les éditrices, il faut se lancer dans la confection entre guillemets, et c'est là où le travail compliqué commence, et où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour moi ça commence par le lieu.
Le premier lieu, c'était la fabrique du Père Noël. Et ensuite, il a fallu détailler cette fabrique avec différents lieux. J'ai mis un atelier, j'ai mis le bureau du Père Noël, l'entrée. Et après, réfléchir à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est assez étonnant, le processus de création sur ce genre de projet. Je pense que d'un créateur à l'autre, c'est pas du tout le même. Mais parce que des fois, c'est le lieu ou l'histoire qui va se développer en premier. Tout se fait pas au même moment, mais à la fin, le but, c'est d'arriver à tout imbriquer ensemble à la fin et à proposer un ouvrage. Voilà. Bien, donc on aura donc des jouets à Noël grâce à vous, alors. C'est ça. Alors, plutôt grâce à ceux qui vont réussir à déjouer les énigmes du truc, les énigmes de l'ouvrage. Mais effectivement, voilà, le but étant de sauver Noël à la fin de l'ouvrage. Les enfants sauvent Noël. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je ne sais pas du coup si on va avoir des questions. Oui, si vous avez des questions, je peux voir dans le chat. De Sylvie, par exemple, qui me dit « Je ne connais pas beaucoup de livres de jeux. Que me conseillez-vous de choisir à faire découvrir à des enfants de 10 à 12 ans ?» Alors, 10 à 12 ans… En fait, aujourd'hui, il y a les escape books qui sont très en vogue parce que c'est très connu. C'est-à-dire que depuis quelques années, l'escape game a connu un essor considérable. Il y a des salles d'escape game à travers la France entière et même à travers le monde, hein, on va dire. Et en fait, dans le milieu de l'édition, ces escape games sont devenus des escape books, donc des jeux, des livres-jeux avec des énigmes, mais ça reprend la plupart du temps un format qui est assez connu, qui est le format du livre dont vous êtes le héros, le célèbre format. Donc, c'est vrai que pour un enfant de 10 à 12 ans, en fonction de son appétit, est-ce que c'est justement un enfant qui lit déjà? Est-ce que c'est un enfant qui joue aux jeux vidéo, qui joue pas du tout aux jeux vidéo? En fait, moi, je conseillerais de trouver ce qui va susciter son intérêt. En fait, c'est-à-dire, s'il joue aux jeux vidéo, peut-être se tourner vers... un livre-jeu qui propose un univers de jeux vidéo. Alors, ça peut être Minecraft, mais je sais qu'il en existe d'autres, sur Fortnite, il me semble. Donc, essayer de trouver l'univers qui va lui plaire, en fait, qui va lui parler. Et même si ça ne parle pas de jeux vidéo, et ça a été mon cas quand j'étais tout petit, ça peut être aussi de trouver un univers qui va lui parler sans être un univers de jeux vidéo. Du coup, ça peut être de la fantasy. Dans ce cas-là, on va chercher quelque chose qui va rappeler peut-être l'univers d'eux. Moi, ce qui m'avait plu dans les univers de fantasy, c'est que ça me rappelait Tolkien par la suite. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé. Donc, 10 à 12 ans, ça peut être effectivement les escape books, parce que c'est un peu plus moderne et que justement, ça parle plus, je pense... à des jeunes de nos jours, mais les livres dont vous êtes le héros, les anciens vraiment, et il y en a énormément, même si on peut considérer au regard de ce qui sort aujourd'hui, ont un peu vieilli, ça reste indémodable et je pense que ça peut aussi être intéressant. Pour le coup, il y a beaucoup plus que dans un escape book place à la lecture. C'est des livres qui sont foisonnants en termes de lecture, hein, où il y a beaucoup de choses à lire, mais qui sont aussi très intéressants, qui pour la plupart nécessitent des lancers de dés très simples, hein, pour résoudre des affrontements, des combats. Mais moi, je conseillerais ces deux choses-là dans un format livre, en tout cas. Il y a des choses du côté du jeu qui peuvent, à mon avis, intéresser aussi des jeunes, mais du côté des livres-jeux, 10-12 ans, je pense qu'il y a des escape books qui peuvent être intéressants. Personnellement, le dernier que j'ai fait, je m'étais mis pour mission d'en faire un difficile. J'avais fait, en termes de difficulté, j'en avais fait des qui étaient considérés comme faciles. Le difficile que j'ai fait pour le coup, 10-12 ans, je pense qu'il offre un challenge intéressant. Et après, je sais qu'il existe aussi chez d'autres éditeurs, des escape books adultes qui pourraient intéresser peut-être un jeune, à voir maintenant en fonction de ses capacités de lecture, de compréhension. Si c'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, peut-être que ça peut être facile, mais il peut aussi se tourner vers un format adulte, à essayer bien sûr. D'accord. ça peut être intéressant, c'est vrai pour eux. Alors Chantal me demande par exemple, sauver Noël, c'est pour quel âge? Alors, si je me souviens bien, Sauver Noël, c'est à partir de 7 ans. Je vais vérifier de le mettre derrière, mais il me semble que c'est à partir de 7 ans. Forcément, Sauver Noël, étant donné... Oui, c'est ça, c'est bien à partir de 7 ans. De toute façon, les Vivez l'aventure, en général, sont à partir de 7 ans, il me semble. Donc, c'est à partir de 7 ans, il y a
pas beaucoup de textes à lire. Normalement, les énigmes ne sont pas très compliquées. Bon, ça arrive, j'ai pu le voir, on a pu m'en parler, que des parents accompagnent la lecture. C'est tout à fait possible et même je le recommande. Je pense même que c'est possible de le lire, mettons, si deux enfants ont le même âge, qu'ils le lisent ensemble, quitte à se passer le livre en lisant un paragraphe, en faisant les choix. C'est-à-dire que moi, quand je disais qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient assez solitaires quand j'étais jeune, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de livre, on imagine que c'est quelque chose de solitaire, mais ça peut se faire avec deux enfants qui se concertent, dans la bonne entente, bien évidemment. Mais donc voilà, évidemment, les Vivez l'aventure, donc c'est à partir de 7 ans. Normalement, c'est fait pour être lu assez facilement, compris assez facilement, il n'y a pas trop de textes. On a aussi une question de Jean-Baptiste. Des maisons d'édition sont-elles spécialisées dans les livres jeux? Alors, c'est une bonne question. Là, comme ça, de mémoire, je ne vais pas réussir, je pense, à sortir une maison d'édition qui ne fait que ça. Après, c'est vrai que beaucoup de maisons d'édition le font. Donc, celle avec qui je travaille, moi, 404 éditions, elle le fait. Elle le fait du coup depuis assez longtemps parce qu'en fait, les Vivez l'aventure que font 404 éditions sont les Vivez l'aventure que faisait le Dragon d'Or, qui sont dans le même groupe éditorial, hein, il y a plus d'une quinzaine d'années. Il me semble que Mango, Fleurus en font aussi. Dès qu'ils ne font que ça, c'est vrai que là, c'est pas une colle, mais c'est juste qu'il y en a tellement aujourd'hui qui font cette typologie, ce format d'ouvrage, qu'en sortir une qui ne fait que ça uniquement, que des livres-jeux, c'est compliqué. Brian demande, Cthulhu est un univers monumental. À quel âge votre livre peut être abordé? Alors, je ne sais pas du coup quel âge, donc Brahim, je ne sais pas quel âge il a. Effectivement, c'est un univers monumental. Pour le coup, c'est de mon point de vue, ce n'est pas du tout un univers jeunesse. C'est-à-dire que l'univers qui a été dressé par H.P. Lovecraft, donc c'est un univers qui est très sombre, j'allais dire assez négatif, mais ce n'est pas du tout un univers pour les jeunes. Je pense qu'il peut être traité pour de la jeunesse, mais en l'état, c'est-à-dire que si je ne vois pas un enfant lire H.P. Lovecraft à 10 ans, par exemple. C'est une littérature qui est assez compliquée à lire de base. C'est une littérature traduite en plus. Et c'est un univers qui est assez complexe. Donc, je dirais que mon livre, il peut être abordé à partir de l'âge auquel on peut aborder Lovecraft. Alors, je ne vais pas définir à quel âge on peut aborder cet univers, hein, bien évidemment, mais c'est juste que pour du tout jeune, en tout cas, ça me semble pas indiqué, et mon ouvrage non plus. Mon livre permettant, en fait... Oui, je sais, non, bien évidemment, je viens de lire le commentaire, pardon, je parlais de votre livre. Mais oui, effectivement, mais en fait, vu que moi, je me base sur l'univers, je raconte l'univers du point de vue d'un regard d'un ancien investigateur, donc qui se plonge dans l'univers de Lovecraft. Et pour le coup, c'est vraiment à destination d'un public... jeunes adultes, adultes, mais pas jeunesse, pas pour les enfants. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et je précise juste qu'au-delà de ça, effectivement, c'est pas pour la jeunesse, parce que c'est aussi un énorme pavé, mais c'est un morceau, c'est un gros morceau. Il y a pas mal de textes à lire, même si j'y ai inclus des illustrations et des dessins que j'ai faits, il y a pas mal à lire. Donc même ça, ça peut paraître butant. Et est-ce que vous pouvez nous dire ou nous annoncer peut-être quels sont vos futurs projets ou votre projet en cours? Alors, j'ai pas mal de choses qui vont sortir l'année prochaine et sur lesquelles je travaille déjà. Il y en a qui sont finies. Donc, j'ai un prochain Vivez à l'aventure dans un monde assez japonais. La référence de travail, entre guillemets, c'était Ghibli parce que c'est un univers très intéressant. Mais voilà, c'est un Vivez l'aventure, donc toujours pour à partir de 7 ans, et qui va se dérouler sur une île qui, pour le moment, à voir si avec le travail éditorial elle va se modifier ou pas, s'appelle l'île des vents de Bruine, et voilà, où il y a un petit garçon, une petite fille qui se retrouve, qui échoue sur cette île, et qui est une île finalement pleine de magie, de mystères et de secrets. Donc je vais avoir du mal à vous dire par contre quand est-ce que sortent les prochains ouvrages, parce que c'est vrai qu'avec la situation, pas mal de choses ont été repoussées. Il me semble que lui-même d'ailleurs était censé sortir en début d'année, il va peut-être être repoussé, j'imagine au printemps peut-être. Donc ça c'est une première chose, c'est un premier ouvrage qui est censé sortir.
Et après, j'ai pas mal d'autres choses. Je travaille pas mal. J'avais fait quelque chose qui est sorti cette année. Bon, alors, c'est sorti au moment du confinement, malheureusement, du premier confinement, qui était ce qui s'appelle mon premier escape game. Donc, en fait, je crois que je l'avais pris tout à l'heure. J'ai pas pensé à vous envoyer le truc, mais voilà, c'était une petite boîte comme ça, en fait, qui va être un peu à l'envers. On reconnaît d'ailleurs le dragon auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Mais qui est une boîte et dont l'intérêt, parce que je fais du jeu de société, je fais pas que écrire, je fais vraiment aussi quelque chose où il y a que du jeu pour le coup. Et donc l'intérêt de cette boîte, c'est pour, à partir de 5 ans, faire découvrir aux enfants ce qu'est l'escape game. Vous avez un petit paquet de cartes et vous allez chez vous organiser cet escape game. Vous allez cacher des cartes, vous allez en laisser d'autres visibles. Et en fait, vous allez accompagner l'enfant pour qu'il vive une aventure. Vous allez lui raconter des choses avec un petit livret. Et voilà, il va se retrouver à vivre un escape game. Donc ça, c'est un premier que j'ai sorti cette année, donc qui s'appelle La Forêt Magique, où il faut aider ce petit dragon à passer une étape pour devenir un dragon adulte. Et l'année prochaine, je vais sortir une deuxième boîte, du coup, avec une autre personne, avec une autre autrice, pour le coup, et qui s'appellera cette fois-ci le Chant des Baleines, et où les enfants seront invités, en fait, à se rendre au Canada, au beau milieu de l'hiver, pour essayer de secourir, ou plutôt d'aider une petite baleine qui cherche à effectuer sa migration et quitter l'hiver glacial du Canada pour rejoindre les Caraïbes. D'accord. Donc voilà, ça, ce sont des exemples de choses qui vont sortir l'année prochaine. Après, il y en a d'autres. J'ai un jeu de société, mais pour adultes, qui pourra être joué avec des enfants, mais qui est un peu technique. Je pense que c'est à partir de 12 ans qu'on a prévu pour le moment. Et voilà, j'ai aussi un roman qui est en travail. J'ai pas mal de choses. Très prometteur. On a une nouvelle question de Élise qui vous demande comment faites-vous pour travailler sur des licences au niveau des droits. Donc c'est vrai que vous avez cité Minecraft ou le studio Ghibli. On a aussi donc Fort Boyard, mais aussi j'ai vu passer Rick et Morty. Oui, évidemment. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Je crois que c'était en septembre, j'ai créé un jeu de société sur Rick et Morty. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est pas forcément une licence pure jeunesse, parce que bon, ça peut être un peu vulgaire ou autre, mais c'est très amusant, je pense, pour des jeunes adultes. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai créé un univers là-dessus. Donc, à la réponse d'Élise, à la question d'Élise, je pense qu'il y a deux réponses. C'est-à-dire que la première réponse, il y a ce qu'on appelle les licences qui sont officielles. C'est-à-dire, on travaille avec les licenciés. C'est-à-dire, les personnes qu'on crée. Voilà. Vous voyez, quand moi, j'ai travaillé sur Fort Boyard, ou sur Koh-Lanta, on a travaillé avec la boîte de production, elles ont tout validé, elles ont eu un regard dessus. Voilà, ça c'est pareil pour le petit Nicolas, par exemple, on a travaillé avec la Fondation Goscinny, qui a eu un regard sur tout, on les a rencontrés, on leur a tout fait valider, voilà. C'est vrai que maintenant, l'exemple de Minecraft, il faut savoir que Minecraft, avant que ça ait été racheté par ce qu'on appelle Big Game, c'est-à-dire Microsoft, une énorme boîte, c'était quelque chose d'indépendant, globalement. C'est même très amusant, l'histoire de ce jeu vidéo qui est aujourd'hui mondialement connu et qui a été vendu à des millions d'exemplaires, parce que c'est quelque chose qui a été créé par Notch, donc un indépendant, en marge de son travail. Et à l'origine, il y avait une création assez foisonnante et autour de cet univers et qui s'est poursuivie en fait même quand Microsoft a racheté entre guillemets les droits. Donc c'est vrai que il y a ce qu'on appelle des productions non officielles ou autres, c'est-à-dire des productions qui peuvent être un peu marginales mais qui sont dans l'univers et qui ont toujours existé en fait dans l'univers de Minecraft. C'est-à-dire que vous allez aux origines de Minecraft, des personnes qui ont créé autour de cet univers dans leur coin, même il y en a qui ont fait ce qu'on appelle des fanfictions, ont toujours existé en fait. Voilà. Et là, pour le coup, donc, je vois qu'il y a une question autour de Ghibli. Ghibli, c'est pas du tout, c'est pas dans l'univers Ghibli. C'est-à-dire que moi, je le donne en référence pour essayer de parler quelque chose sans tout révéler. Quand je vous dis, par exemple, que je vais créer un univers de fantasy à la Tolkien, je vais pas du tout copier l'univers de Tolkien, mais immédiatement, dans votre imaginaire, vous voyez à quoi je fais référence. Donc, quand je dis que l'idée, c'est de créer un Vivez l'aventure en ayant à l'esprit une œuvre comme Ghibli, mais il y a plein d'autres animations japonaises, c'est parce que immédiatement, ça suscite l'imaginaire des personnes. Mais bien évidemment, l'idée n'est pas d'aller copier Ghibli ou autre, c'est une inspiration comme il y en a beaucoup d'autres, et qui viennent également du jeu vidéo. D'accord.
Donc, lui, il dit Oui, c'est l'esprit. Voilà. C'est l'esprit. Tout à... bah, oui, c'est ça. C'est un esprit. Mais c'est un esprit parmi d'autres, encore une fois. C'est vrai que ça, moi, je m'en suis rendu compte au cours de mes créations. Il y a des choses qui ressortent et où c'est pas forcément toujours la même chose. Mais et oui, c'est l'esprit. C'est l'esprit Ghibli. Et ça peut être d'autres esprits aussi. L'esprit japonais, en fait. C'est... On a une nouvelle question de Muriel. Vous avez un site ou une page pour lesquelles on peut vous suivre sur alors, alors oui, effectivement. Alors c'est tout à fait possible de m'ajouter sur Facebook parce que je l'ai professionnalisé entre guillemets. Je publie que des choses professionnelles dessus. Donc ça, je pense qu'on me trouve assez facilement avec Alain Tépuis-Ségur. Et idem sur Twitter. Où j'ai un compte. Alors, je vais en profiter justement parce qu'il y a moyen que... Si, je pense qu'on me trouve assez facilement sur Twitter aussi en tapant Alain Tépuis-Ségur. Et idem sur Instagram. Donc, effectivement, voilà, ça m'arrive des fois de parler de ce que je fais dessus, de montrer aussi parfois les coulisses de comment je travaille sur ces différents réseaux. Donc, en suivant ça, ça permet d'avoir un regard sur l'actualité parce qu'en général, quand quelque chose sort, je le publie là-dessus. D'accord. Et est-ce que vous aimez autant faire des escape games en réel que l'écrire sur papier? Alors, c'est amusant parce que c'est très différent. Au final, les escape games, les escape books, c'est ce qu'on appelle du game design, avec encore un terme un peu complètement anglophone, c'est du game design. C'est-à-dire que le fait que vous vous trouviez dans une pièce A et que vous soyez bloqué parce que vous n'avez pas l'objet 1, que vous devez trouver et du coup utiliser pour ouvrir la porte, par exemple, c'est du game design, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais même dans les plus vieux jeux, vous retrouvez ce game design basique. Et moi, j'aime beaucoup parce que l'escape game tel qu'on le vit dans une salle avec d'autres personnes, ou pareil, on cherche avec des éléments matériels, des fois des constructions, des choses qui ont été créées pour l'occasion, qui parfois sont très impressionnantes. Moi, j'adore ça, j'aime beaucoup. Et ce qui est amusant, c'est d'essayer de faire rentrer ce format dans un autre format. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un livre ou quand vous travaillez, encore une fois, par exemple, sur une boîte qui n'a qu'un paquet de cartes et un livret, vous devez faire en sorte que les gens ressentent un peu ce qu'on ressent quand on fait un escape game. Cette sensation d'urgence, cette sensation aussi de casse-tête où il faut réussir à résoudre des énigmes. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup réussir justement à faire en sorte que... alors, les sensations ne seront jamais identiques. Quand dans la réalité, vous vous retrouvez enfermé dans une pièce, qu'il y a des effets de lumière, du bruit, des sons, des objets à manipuler, forcément, ce n'est pas la même chose que quand vous avez un livre. Mais malgré tout, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, avec le format boîte, essayer, ou même dans les formats d'escape book, essayer un peu de... J'allais dire de tricher, mais ce n'est pas de la triche, mais de travailler avec le format, c'est-à-dire que le tout premier que j'avais fait, c'était celui-ci, donc encore sur un univers de Minecraft. Et je vais mettre ci, bon, forcément c'est un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Et moi j'aimais beaucoup le format livre, et je me suis dit, bon, c'est sympa le format livre, mais j'ai envie de réussir à dépasser ça. J'aimerais bien faire en sorte que l'enfant qui va jouer à ça, il tourne les pages ou autre, mais qu'il y ait un truc en plus. Et dans ce livre, en fait, à un moment donné, l'enfant va trouver un artefact qui est en fait un petit cube que vous pouvez... Alors, c'est marrant parce que celui-là, c'en est un qui a été fait. Et on peut voir effectivement que le petit cube n'est plus à la fin et qu'il a été... je crois que je l'ai juste ici en plus, effectivement. Et donc, en fait, l'enfant se retrouve à devoir construire un petit cube comme ça qui va lui permettre de résoudre des énigmes tout au long de l'ouvrage. Donc, j'essaye un peu, quand j'en ai l'occasion et puis que les éditeurs sont d'accord, de tricher avec le format. Pour dépasser aussi un peu les limitations du livre et proposer quelque chose, un ludique en plus. Voilà, c'est quelque chose de ludique en plus. Et donc ça, voilà, ça c'est un exemple sur le premier que j'ai fait où l'enfant va faire son petit collage, c'est pas très compliqué à faire, et se retrouve avec un vrai artefact entre les mains qui va lui servir, voilà, dans son livre, il va le placer à certains moments pour résoudre ça. Voilà. Et Elise veut dire en tout cas qu'on a plein d'escape games à Rouen si vous venez.
Je ne suis jamais venu à Rouen, mais effectivement, ça serait avec plaisir. Oui, non, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les escape games. Bon, il y en a, moi, je suis à Paris. Il y en a énormément à Paris. Il y en a beaucoup. Bon, forcément, ça a été plus compliqué ces derniers temps de faire des escape games. Mais j'ai réussi à en faire qui était quand même assez impressionnant, notamment à Paris, sur le Nautilus. Les décors étaient époustouflants et donnaient vraiment la sensation d'être enfermé dans le Nautilus. J'ai jamais eu cette sensation-là dans un escape game de réalisme, on va dire. J'en ai trouvé qu'il y avait des décors extrêmement bien faits ou autres. Mais pour le coup, celui-ci était, je crois que c'est chez Unleash Escape, c'était assez incroyable. En plus, moi, j'adore l'univers de Jules Verne. Pour le coup, c'est l'une des références que j'ai en tête aussi. Et que j'aime beaucoup, et encore plus le Nautilus. Et donc voilà, c'était assez incroyable. Mais oui, j'aime beaucoup les escape games en vrai aussi. Alors j'ai Chantal qui dit que ça doit être agréable pour l'enfant. Bah, effectivement, le but c'est ça. C'est-à-dire que moi je ne travaille pas forcément en me disant que les enfants qui vont lire sont des enfants qui n'aiment pas lire, que c'est simplement pour faire un produit d'appel pour que les enfants aiment la lecture. Je ne travaille pas forcément comme ça, je le garde en tête et je suis content quand ça se produit et que des parents viennent me voir et me disent c'est super cool, il ne lisait pas du tout mais ça il l'a dévoré, il a beaucoup aimé. Moi je suis content quand on me dit ça, je me dis ok, ça c'est une des missions qui est accomplie. C'est passé ce qui s'est passé avec moi quand j'étais plus petit, super. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, le but c'est que pour tous les enfants, il faut réussir à faire en sorte que ce soit intéressant, que ce soit parce que ça leur rappelle leur univers avec Fort Boyard ou Koh-Lanta, ou parce qu'il y a quelque chose qui attise leur intérêt. Aujourd'hui, on est dans une société qui est assez différente, je pense, de moi, comment j'étais quand je disais que quand je faisais du jeu vidéo, c'était assez solitaire. Quand j'étais tout petit, bah forcément, moi je suis né en 91. Quand j'ai commencé à mettre les mains dedans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. À la limite, on jouait à Pokémon en connectant nos deux consoles côte à côte et c'était tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, susciter l'intérêt d'une jeunesse qui a accès à du multimédia, à des jeux en ligne gratuits, à des choses, je ne dis pas du tout ça pour être rabat-joie parce que je suis consommateur de ça. Mais c'est simplement qu'effectivement, il faut réussir à trouver des choses qui vont intéressés, qui vont susciter l'intérêt. Pas forcément immédiatement, mais qui vont aussi réussir à les accrocher, à accrocher leur intérêt. Alors, est-ce que Dune vous a déjà... Alors, Dune, effectivement, vous a donné... Alors, Dune, c'est un univers que je connais, que j'ai lu il y a très longtemps et qu'il faudrait que je relise, parce que c'est très obscur, mais pour le coup, c'est pas l'univers qui m'a donné... qui m'a déjà donné envie d'écrire un escape game, enfin, en tout cas de faire un escape game dans l'univers de Dune. C'est-à-dire qu'on viendrait me le proposer aujourd'hui, je dirais « Ok, cette personne, elle connaît beaucoup mieux que moi l'univers, tournez-vous vers elle. » C'est pas un univers de cœur pour moi, je le connais. Si je le relis aujourd'hui, ça pourrait devenir un univers de cœur parce que je le relirais pas, j'ai dû le lire, je devais avoir 14 ans, donc je le relirais pas avec le même regard et je pense que je ne comprendrais pas les mêmes choses que j'ai comprises ou cru comprendre à l'époque. Mais après, des univers sur lesquels j'aimerais créer des choses, il y en a des tas, il y en a beaucoup. On parlait de Lovecraft, c'est un univers sur lequel j'adorerais effectivement pouvoir proposer des énigmes et des jeux. Donc ça s'est déjà fait, ça a déjà existé, mais c'est un univers très intéressant pour ça. Et d'ailleurs, à chaque fois, vous écrivez sur des univers soit joyeux comme Noël, soit sombres comme Toulouse. Quel aspect est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez plus faire des histoires joyeuses ou alors un peu plus sombres avec des énigmes, détectives ? J'aime bien les deux. C'est vrai que, alors moi je suis, on va dire, auteur professionnel, c'est-à-dire que je ne fais ça qu'à plein temps, que depuis 2 ans, mais j'écrivais bien avant et je créais des choses bien avant. Et c'est vrai que j'ai commencé dans la jeunesse, c'est-à-dire que j'ai produit, je crois que j'en suis à 7 escape books dans la jeunesse. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse, mais j'ai aussi eu l'envie de faire d'autres choses. C'est-à-dire que Koh-Lanta, Fort Boyard, Minecraft, ce sont des univers dans lesquels j'ai accepté de travailler parce qu'ils me plaisent. C'est-à-dire que moi, j'étais petit, comme j'étais joueur de jeux vidéo et consommateur de livres dont vous êtes le héros, j'étais aussi spectateur public de ces émissions. C'est des émissions que j'adorais quand j'étais enfant. Du coup, pouvoir travailler autour aujourd'hui, c'était très intéressant. Mais malgré tout, aujourd'hui, étant adulte, j'ai aussi envie de proposer autre chose. C'est notamment la raison pour laquelle cette année,
j'ai publié, enfin j'ai écrit et a été publié l'ouvrage sur l'univers de Lovecraft, qui est un univers que j'aime énormément, et où j'essaye justement de proposer quelque chose d'autre. J'ai des choses marrantes à raconter, des univers rigolos, chatoyants, mignons, peut-être un peu mystères et secrets, comme je le disais pour le prochain Vive l'aventure, qui peuvent parler à des enfants. Tout ça, ça me fait plaisir de le créer, mais j'ai aussi envie de proposer des choses avec d'autres questionnements, avec une maturité différente que ces ouvrages-là. Pour moi, j'aime bien faire cohabiter les deux parce que les deux sont intéressants et j'aime bien faire les deux. Mais je veux faire les deux, du coup. Je n'en abandonnerai pas un pour l'autre parce que c'est des manières différentes de faire, de concevoir. On n'écrit pas un escape book pour un enfant comme on va écrire pour forcément des adultes. Ce n'est pas forcément les mêmes enjeux qu'on met en avant, les mêmes valeurs aussi. Moi, je travaille actuellement sur deux romans qui s'adressent à des jeunes adultes, qu'on appelle du young adult, mais aussi à des adultes. Et forcément, ce qui est raconté dedans, les enjeux des personnages ou autres, ne parleraient pas du tout à des enfants de 7, 8, 10, 12 ans. Mais le but étant qu'ils parlent à des jeunes adultes. Et ça m'importe aussi parce que ça me parle. Et justement, on a beaucoup parlé de vos inspirations et je vous ai demandé de nous présenter le livre aux enfants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous en dire plus sur ce livre? Oui, alors complètement. Alors, c'est pour le coup, j'ai fait, quand vous m'avez demandé, j'ai pas fait exprès de faire cette sélection. C'est-à-dire qu'on a du coup Le souffle du dragon de Jean-Luc Bizien, qui est un roman jeunesse. Au centre, on a un ancien format des Vivez l'aventure, donc où c'était toujours des titres, La forêt au sang sortilège. Je me souviens plus de tous les titres, mais je crois qu'ils vont commencer aussi à reprendre cette forme de titre. Pour le moment, vous avez Vivez l'aventure, mais il me semble qu'un collègue a sorti quelque chose où c'est L'Atlantide au sang mystère, quelque chose comme ça, où ils reprennent ce format de titre à l'ancienne, entre guillemets. Donc pour le coup, un livre-jeu, et à côté, effectivement, Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, qui est vraiment, en plus, le livre que j'avais entre les mains. C'est une vieille édition de Tolkien. Donc, c'est assez marrant parce que ça résume un peu tout ce qu'on a dit pendant cette conférence. Donc, Le Souffle du Dragon de Jean-Luc Bizien, c'est un vieux roman. C'est une trilogie. Ce que vous voyez, c'est le premier tome. Je l'ai, d'ailleurs. Je crois que je l'ai derrière moi, ouais, parce que je l'ai relu récemment. J'avais beaucoup aimé. Effectivement, Jean-Luc Bizien, voilà, je l'ai juste ici. Et en plus, c'est très marrant parce qu'on voit l'enfant méticuleux que j'étais, parce que il est recouvert avec ce qu'on mettait sur les livres scolaires de l'époque. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de le protéger comme on protégeait les livres de l'école. Donc ça, c'est un roman. Donc Jean-Luc Bizien, c'est un auteur français. Et j'avais vraiment adoré cet univers. C'est un univers de fantasy que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne vais pas forcément vous en faire le résumé, mais je ne sais pas s'il est encore disponible pour le coup, s'il se trouve facilement. Mais bon, c'était chez Bayard Jeunesse à l'époque. La trilogie, c'est la trilogie des empereurs mages. Donc, c'est un mélange de magie, de combat, de fantasy, de créatures, de monstres, de dragons aussi. Et j'avais adoré. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est ce qui m'a, avant Tolkien, c'est ce qui m'a aussi mis, entre guillemets, le pied à l'étrier de la lecture. Parce que c'était bien écrit. J'ai récemment remercié Jean-Luc Bizien, justement, parce qu'il m'avait donné goût à ça. Et je le salue, d'ailleurs, parce que c'est une trilogie qui a été très importante dans mon passé de lecteur, on va dire. Du coup, au centre se trouve La forêt au sang sortilège, où là, sauf erreur de ma part, et parce qu'il faudrait que je me rappelle de tout, ça doit être le premier livre-jeu que j'ai eu entre les mains. Alors, livre-jeu, je ne parle pas voilà, des magazines Picsou, il y avait des petits jeux dedans, etc., mais vraiment un livre-jeu en entier, qui était très bien illustré. Donc, le hasard fait que c'est encore un livre de Jean-Luc Bizien. C'est pas volontaire, je me rends compte que ce que j'aimais à l'époque, c'était du Jean-Luc Bizien, et c'est illustré par Didier Graffet, qui est très très doué, et qui du coup avait... tous les deux, c'était un binôme qui avait fait plusieurs Vivez l'aventure qui étaient magnifiques, et celui-là, univers de fantasy également, une forêt magique avec des mystères, des secrets, je l'avais beaucoup aimé, c'était très beau,
Et j'y avais passé du temps aussi. J'avais dû l'attaquer quand j'étais quand même assez petit. Et je n'avais pas forcément tout résolu, mais je l'avais beaucoup aimé. Il doit être dans un carton, quelque part, chez mes parents. Mais je l'ai encore. Et donc voilà, ça c'est, on va dire que ça c'est le début, le premier livre-jeu que j'ai eu entre les mains et qui m'a dit « Ah d'accord, ce genre de livre existe et ceci est possible ». Et après, les livres dont vous êtes le héros, avec les loups solitaires. Voilà. Et donc, Le Seigneur des Anneaux, ça, je crois que je suis même sûr d'avoir commencé à le lire en CM2. J'avais déjà le goût de la lecture. J'avais déjà commencé à lire. J'avais déjà lu Le Souffle du Dragon. Et sauf erreur de ma part, quand je suis en CM2, c'est parce que je l'ai lu, en fait, c'est bête, hein, mais parce que le film était sorti, il me semble. Ou alors, c'était un petit peu avant que le film sorte. Et j'ai essayé de me plonger dedans. Donc, bon. Le Seigneur des Anneaux en CM2, vous ne comprenez pas tous les mots, parce que c'est une littérature qui est... Enfin, voilà, Tolkien écrit très bien, mais ce n'est pas accessible à tout... Enfin, en tout cas, un CM2, je me souviens que je ne comprenais pas tout, mais je m'en fichais. Je lisais quand même les mots que je ne comprenais pas. Soit je les apprenais, soit je les mettais dans un coin de ma tête et je les apprenais plus tard. Mais ça, c'est un livre qui m'a marqué parce que c'était un peu le... Bon, déjà, c'est un univers incroyable que j'ai beaucoup aimé, qui m'a marqué de très nombreuses années à travers différents supports, que ce soit les livres, les jeux vidéo, parce qu'il y a eu des jeux vidéo, les films, et même du jeu de société à travers du jeu de figurines, parce qu'ils avaient également sorti ceux qui font les Warhammer, des figurines du Seigneur des Anneaux. Donc ça m'a marqué, voilà. C'était le premier, on va dire, énorme pavé que j'ai eu entre les mains à lire. Et puis en plus Tolkien a aussi imaginé sa propre langue dans les livres. Après maintenant vous c'est plus vos propres énigmes, donc en quelque sorte il y a toujours de l'inspiration qui suit. Non, mais oui, c'est ça, c'est ce qui est assez intéressant de voir toutes ces personnes-là dont je parle, qui à l'époque je lisais et j'aimais leurs univers, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être des sources d'inspiration. Je reconnais aussi des clins d'œil que moi-même je fais, c'est-à-dire que je vais vous en donner un tout simple. Le Vivez l'aventure que j'ai sorti, j'essaie de l'attraper mais il s'échappe, le Vivez l'aventure que j'ai sorti sur Minecraft, donc qui s'appelle Les ruines de Comorium. Alors l'orthographe de Comorium est changée, mais si je me tourne où est-ce que je vais le trouver, ça va être juste ici. En fait, Comorium, c'est une ville imaginée par Clark Ashton Smith dans l'univers qui a été rattaché par la suite à Cthulhu, c'est-à-dire l'univers créé par Lovecraft. Donc c'est un clin d'œil. Et ce qui est amusant, c'est de voir que Jean-Luc Bizien lui-même, je l'ai fait avant de me souvenir de sa référence, dans Le Souffle du Dragon, avait fait lui-même une référence à Lovecraft, étant donné qu'une créature qu'on retrouve à l'intérieur est une créature lovecraftienne. Si je me trompe pas, c'est un Shoggoth. Il faudrait que je revérifie. Mais du coup, c'est assez marrant de voir aussi les références croisées entre auteurs et surtout des auteurs qui sont plus anciens que moi. Oui. Et puis peut-être que plus tard, ce sera un petit enfant aussi va créer une histoire en s'inspirant de vos romans. Mais ça serait super, ça serait vraiment très bien et il ne faut pas hésiter. Non, mais c'est vrai, c'est. Alors je crois que c'était un. Comment ça devait être on dit un Amsterdamois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un petit garçon d'Amsterdam qui, du coup, avait lu celui sur Minecraft et qui m'avait écrit récemment pour me demander « Mais je vais le présenter en classe, il faut que je raconte comment vous faites et tout. » Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à lui expliquer comment fonctionnait un peu, alors sans rentrer dans des détails barbants, hein, mais ce processus de création, parce que effectivement, je pense qu'en ayant le goût de la lecture et du jeu, un enfant peut le faire. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on prend un escape book, on le décortique, on essaye de comprendre comment il fonctionne. Donc, quand j'avais les livres dont vous êtes l'enverrou entre les mains, c'est vrai que je me souviens avoir essayé de décortiquer pour savoir comment ça fonctionnait. Et j'espère que ça pourra donner envie à des enfants d'écrire, ou même de créer des jeux, parce qu'au final, c'est écrire ou créer des jeux, c'est tout. Créer, en général, on va dire. C'est une question de création. Je vois qu'on arrive malheureusement à la fin de notre rencontre. Le temps passe vite. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors, il y a Élise juste qui dit qu'elle se retrouve dans les références. Il y a deux cheveux creusés. Ah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi la conférence.
Oui, merci beaucoup. Et si vous le souhaitez, la journée n'est pas finie parce qu'on rencontre également le docteur Sylvie Dieu Ossica à 17h, donc dans presque une heure, et puis Clémence Monet mardi à 17h. Donc encore merci, merci beaucoup Alain pour cette rencontre très enrichissante. Et, merci à vous et merci à tous ceux qui ont suivi la rencontre du coup. Et puis je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fin de journée. Et un bon dimanche à tout le monde aussi. Au revoir.